Hey. Colons à l'intérieur et les pillards ont presque réussi à franchir la porte. Je vous en prie, prenez ce mousquet laser et aidez-nous.
ici à attendre de se faire trouver. La peau. Arrête de chier dans ton froc. On reste à notre poste, comme prévu. Merde, c'était quoi ça? Et à moi, Minus. J'arrive, bande d'enfoirés! Je vais vous faire la peau, je vous préviens! Mais arrête, où tu veux qu'ils aillent? On a autre chose à foutre, merde! Vous entendez ça? Faut que j'aille faire un tour. Mais quand je reviens, c'est mort! Quelqu'un?
ça y est. Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous tombez à pic. Preston Garvey, des miliciens du Commonwealth. Non, les miliciens, c'est pas ça. Je reviens dans le passé, là. Quand personne ne peut plus rien pour vous, les miliciens sont là. C'était l'idée, en tout cas. Je voulais me rendre utile, alors je me suis engagé. Peut-être. Mais tout est parti en vrille. Non. Et aujourd'hui, on dirait bien que je suis le dernier des miliciens. Le monde a tellement changé. Rien de tout ça n'a de sens. Vous allez bien ? Écoutez, on a besoin de votre aide. Et peut-être qu'après, c'est nous qui pourrons vous donner un coup de main. Hein ? Qu'est-ce qui vous amène ici ? Mon fils Sean a été kidnappé. Il n'a même pas un an. Alors ça, c'est vraiment une vacherie. Désolé. Je sais que ce monde n'est pas facile. Il y a un mois, on était 20. Hier, 8. Et maintenant, plus que 5. D'abord, il y a eu les ghouls à Lexington. Et maintenant, ça. Des ghouls ? C'est quoi, ça ? Nom d'un chien. Vous n'êtes vraiment pas du coin, hein ? Les ghouls sont... des gens irradiés. La plupart sont comme vous et moi. Non, elles ont une sale tête et vivent plus longtemps que la moyenne. Mais ça reste des gens. Celles dont je vous parle sont différentes. Les radiations leur ont rongé peut-être le cerveau et elles sont totalement sauvages. Non. Dès qu'elles vous voient, elles n'ont qu'une seule idée en tête. Vous réduire en charpie. Bref, on pensait pouvoir s'installer à Concorde. Mais ces pillards nous ont prouvé le contraire. Mais on a encore une idée. Une bonne idée peut faire toute la différence. Sturges, expliquez-lui. Il y a un vertiptère qui s'est écrasé sur le toit. Un vieux modèle qui date d'avant la guerre. Vous l'avez peut-être aperçu. Apparemment, un de ses passagers a laissé un truc pas piqué des hannetons. Je parle d'une authentique armure assistée T-45, modèle militaire. Qu'est-ce qui rend cette armure assistée si spéciale ? C'est un modèle à servomoteur interne Westech. Une fois à l'intérieur de ce petit bijou, on devient un véritable surhomme. Plus fort, plus robuste, résistant aux radiations. Et on... Avec l'armure, vous aurez la force d'arracher le minigun du vertiptère. Et là, du coup, pour les pillards, c'est un aller simple pour l'enfer. Vous pigez ? Ça pourrait marcher. Ça marchera. Il faut juste arriver à recharger l'armure. Elle est totalement à sec. Ces batteries sont sans doute vides depuis un bon siècle. On peut la recharger, mais dans notre situation... Je vous aiderai autant que possible. Vous allez avoir besoin d'un réacteur à fusion standard d'avant-guerre. C'est une batterie longue durée, si vous voulez. Mais nucléaire. Du genre qu'utilisait l'armée et certaines sociétés privées dans le temps. Mais on ne peut pas y accéder. Il est au sous-sol, derrière une porte de sécurité. Écoutez... Moi, je répare les trucs. Je bricole.
Contourner les systèmes de sécurité, c'est pas vraiment mon truc. Mais vous, peut-être que vous pourriez essayer. Je l'ai déjà récupéré, votre réacteur à fusion. On est paré. Excellent. Peut-être que la chance est en train de tourner. Une fois que vous aurez branché le réacteur sur l'armure assistée et que vous aurez récupéré le minigun, montrez aux pillards qu'ils ont fait l'erreur de leur vie. Bonne chance. Hey, Sturges. C'est quand vous voulez, la nouvelle. Ça va? C'est avec nos vies que vous jouez. Vous m'écoutez, là? Quelque chose approche. Qu'est-ce qui se passe? On va sortir d'ici, je oui ou non? Je perçois une grande colère. Monsieur. Excellent. Madame. Je ne pensais pas que Canigou trouverait quelqu'un comme vous dans les environs. Mais c'est tellement mieux comme ça. C'est votre chien ? Oh, ce n'est pas mon chien. Non, non, non. Il a toujours été très indépendant, notre Canigou. Il est libre et il n'appartient à personne. Mais il choisit ses amis, et il leur est fidèle. Il va vous accompagner maintenant. Je l'ai vu. Vous l'avez vu ? Mais c'est la drogue, vous voyez. C'est elle qui me donne la vision. Ça a toujours été comme ça, d'aussi loin que je m'en souvienne. C'est quoi, la vision ? Je vois un peu de ce qui a été et de ce qui sera. Et même de ce qui est à l'instant présent. Et en ce moment, je vois que quelque chose approche. Quelque chose qui a été attiré par le bruit et par le chaos. Et je perçois une grande colère. Qu'est-ce que c'est? Vous devez m'en dire plus, Maman Murphy. Je suis désolée, mais... je n'en ai pas la moindre idée. La vision n'est pas toujours d'une grande clarté. Ce n'est pas un pillard. Ah. Mais je suis fatiguée maintenant. Et vous, sauf erreur de ma part, vous avez du travail.
journal personnel. Michael Daly, sergent-chef de l'armée de terre des États-Unis d'Amérique. Samedi dernier, le 23 octobre, alors que nous étions en route vers Stockbridge Ouest, notre vertiptère s'est écrasé sur le toit de ce musée. La cause de notre crash, une IEM consécutive à une explosion atomique. Plusieurs, en fait. D'après les infos que j'ai pu dégoter, ça a sauté aux quatre coins du globe. Le copilote est mort sur le coup. Le pilote est quant à lui décédé le lendemain, des suites de ses blessures. Le jour suivant, Flaherty et Kanawha ont été abattus par des survivants paniqués. Et puis Prosnansky s'est enfui. Je ne l'ai pas revu depuis. Aujourd'hui, c'est à mon tour de déserter. Si tant est que ce terme veuille encore dire quelque chose. Le réacteur à fusion de mon armure a grillé, donc on dirait que ma carrière de soldat est terminée. Je vais aller à Boston, à pied, pour voir si ma sœur a survécu à tout ça. Elle a un appartement sur Boyson Street. C'était Mike Daly. Bonne chance à tous. Et Dieu bénisse l'Amérique, ou ce qu'il en reste. Tu descends pas nous montrer ton joli flingue de plus près. C'est pas donné à tout le monde de tromper la vigilance de mes gars. On t'attend, minable.
N'en faites pas trop, Mama. Vous allez bien ? Ça va, Preston. Arrêtez de vous inquiéter pour rien. C'était vraiment impressionnant. Je suis content que vous soyez de notre côté. Ça va aller pour vous, maintenant ? Oui, du moins pour quelque temps. On devrait pouvoir trouver un endroit. Écoutez, quand on s'est rencontrés, vous m'avez demandé de vous parler des miliciens. S'il y a une chose que je peux vous dire, c'est qu'on aide nos amis. Alors tenez, et merci pour tout ce que vous avez fait. Qu'est-ce qui va se passer ? Ça fait très longtemps que les visions de Mama Murphy lui montrent un lieu nommé Sanctuary. Un vieux quartier qu'on pourrait remettre à neuf. Pourquoi vous ne viendriez pas avec nous ? Votre aide nous serait précieuse. D'accord, Garvey. J'en suis. Oh, c'est formidable. Mais votre destinée ne s'arrêtera pas là, hein? Je l'ai vu. Le trou dans votre cœur. Ma destinée? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous êtes un homme hors du temps. Vous n'avez plus d'espoir, mais tout n'est pas encore perdu. Je sens l'énergie de votre fils. Il est toujours vivant. Où est mon fils? Où est Sean? J'aimerais bien le savoir, mais ce n'est pas comme si je le voyais. Je sens juste sa force vitale, son énergie. Et je sais qu'il est là, quelque part. Et je n'ai pas besoin de la vision
pour vous dire où vous devriez commencer à chercher. Le beau diamant vert du Commonwealth. Diamond City. La plus grande ville à la ronde. Qu'est-ce qu'il y a à Diamond City? Sean est là-bas? Écoutez, je suis fatiguée. Si vous m'apportez des drogues plus tard, peut-être que la vision me donnera une idée plus claire de la chose. Non. On en a déjà parlé, Mama Murphy. Ces saloperies finiront par vous tuer. Oh, ça suffit, Preston. Il faut bien mourir un jour, de toute façon. On a besoin de la vision. Et notre nouvel ami aussi. Et maintenant, en route. Sanctuary nous attend. Bon. Grâce à notre camarade, on va pouvoir reprendre la route. On va aller à l'endroit que Mama Murphy connaît. Sanctuary. Ce n'est pas très loin. L'endroit qu'elle connaît? Vous voulez dire qu'elle l'a vue quand elle était complètement défoncée, oui? Et maintenant, vous voulez qu'on recommence à tourner en rond sans savoir où on va juste parce que Mama Murphy l'a vue? De toute façon, ça ne peut pas être pire que... Pas la peine de s'énerver. On est tous dans le même bateau, pas vrai? Alors, Marcy, vous avez une meilleure idée sur ce qu'il faudrait faire maintenant? Quelqu'un d'autre? Dans ce cas, adjugé pour Sanctuary. Espérons juste que ce sera véritablement un sanctuaire pour nous. Viens, June, il est temps d'y aller. Oh, d'accord. En route, c'est vers Diamond City qu'il faut vous diriger. On vous doit une fière chandelle. N'oubliez pas le prix qu'on a payé pour arriver jusqu'ici. Allons-y. Je vais passer devant. Restez près de moi. On est derrière vous, boss. On va dire que ce furoncle purulent sur la gueule du Commonwealth va me manquer. Sans vouloir vous vexer, si vous êtes du coin... On va où, Marcy? T'inquiète pas. Gardez votre sang-froid, ça va aller. Tout ira bien.
Vous feriez mieux d'aller à Diamond City. J'ai l'impression que ces bestioles grandissent tous les ans, et leur caractère s'améliore pas. Regardez-moi ça. Je crois que je viens de trouver où passer mes prochaines vacances. C'est votre idée du paradis, hein, Sturges? Il pourrait y avoir des trucs à récupérer là-dedans. Mais allons d'abord à Sanctuary. On ne doit plus être loin. Je suis toujours content de voir le soleil se lever un jour de plus. Un jour de plus dans le Commonwealth. Bien attention sur ce pont, Mama Murphy. Il faudrait pas que vous tombiez. Bon sang, Preston. Je sais me débrouiller. Arrêtez de me traiter comme une petite vieille. D'accord, d'accord. Je voulais pas vous mettre en boule. Au moins, il ne pleut pas. Ravi que vous ayez décidé de venir avec nous. J'aurais dû écouter Mama Murphy dès le début. C'est un bel endroit qu'elle nous a trouvé. Je pense qu'on pourrait s'installer ici, en faire notre maison. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ça me plaisait de vivre ici, avant la guerre. Comment ça? Avant quelle guerre? Vous voulez dire que... J'ai vécu ici... il y a plus de 200 ans. Je me suis fait cryogéniser, je crois. J'ai repris connaissance il n'y a pas longtemps. Merde! Comme une vieille goule d'avant la guerre. Est-ce qu'il y avait d'autres gens qui étaient cryogénisés avec vous? Juste mon fils. Quelqu'un a profité de mon état pour l'enlever. Je suis toujours à sa recherche. Merde! Je suis désolé. J'espère que vous le retrouverez. Dites-moi si je peux vous aider. Enfin, content que vous soyez là. Et j'espère que ça ne vous dérange pas, mais j'ai un autre service à vous demander. J'ai été contacté par une colonie qui a besoin d'aide. Ces gens espèrent toujours qu'il reste des miliciens. Notre seule chance de reformer les miliciens, c'est de montrer aux gens qu'ils peuvent compter sur nous quand ils en ont besoin. Le problème, c'est que j'ai beaucoup à faire ici. Ça vous dérangerait de vous occuper de cette colonie?
De quel genre d'aide est-ce qu'ils ont besoin ? Je crois que c'est un problème de pillard. Rien d'inhabituel. Vous devrez leur demander les détails. Je me ferai un plaisir de vous aider. C'est génial. Les miliciens auraient grand besoin de gens comme vous. Au fait, si vous voulez nous donner un coup de main ici, adressez-vous à Sturges. Je suis sûr qu'il serait content d'avoir un peu d'aide. Mama Murphy, je peux vous parler ? Je sais ce que vous allez me demander, John. Je l'ai vu. Et je ne peux rien faire pour vous. Mais vous avez la vision ? Elle doit pouvoir... Elle ne permet pas de parler aux morts. La vision aussi a ses limites. Je suis désolée. Quand on est tombé sur cet écorcheur à Concorde, j'ai bien cru qu'on allait y rester. Vous aviez déjà vu une de ces bestioles avant, maman ? Bien sûr, des tas. Un jour... J'en ai même tué un toute seule, sans armure assistée ni mitrailleuse, juste avec un pistolet de fortune et une seule balle. Vous voulez dire que vous avez tué un écorcheur avec une seule balle ? Et je dois vous croire. C'est pourtant vrai. Je n'en ai peut-être pas l'air, mais à l'époque, j'étais un as de la gâchette. Ça, ou vous avez une sacrée imagination.
Vous voulez participer au travail ? De quel genre d'aide vous avez besoin ? Déjà, ça nous ferait pas de mal d'avoir de vrais lits. Ça fait trop longtemps qu'on dort par terre. Pourquoi vous avez besoin de moi pour fabriquer des lits ? Écoutez, on est en fuite depuis des semaines. Et on a du pain sur la planche. Il nous faut de l'eau, de la nourriture, un toit, et j'en passe. Vous avez demandé ce que vous pouviez faire ? Je vous ai répondu. Vous avez changé d'avis ? J'ai l'air d'un menuisier. Qu'est-ce que j'en sais, moi ? Vous avez dit que vous vouliez nous aider ? Et pour l'instant, on a besoin de lits. Je me ferai un plaisir de vous aider. Parfait. Merci bien. Pour l'instant, le principal, c'est qu'on ait un toit au-dessus de nos têtes. Certaines de ces vieilles maisons ont encore l'air solides. Il y a un établi là-bas dont vous pouvez vous servir. Faites-moi signe s'il vous faut quelque chose. Sanctuary. Je savais que vous nous rejoindriez ici. Quelque chose vous lie à cet endroit. J'ai vécu ici. Il y a bien longtemps. Ah, sauf que le passé lointain ne l'est pas tant que ça pour vous. J'ai vu le moment où vous avez quitté votre glacière. Pour vous, le monde n'est qu'un mauvais rêve dont vous n'arrivez pas à sortir, n'est-ce pas ? La vision peut vous aider. Elle apporte toujours des réponses. Apportez-moi un peu de Jet et je verrai ce qu'elle cherche à vous dire. Du Jet ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un petit inhalateur à l'effet particulièrement puissant. On dit que ça permet d'aller plus vite, mais à mon âge, ça ressemble plus à une injection d'adrénaline. Les drogues alimentent la vision. Donc, ce n'est pas toujours de Jet que j'ai besoin. Mais c'est ce qui est au menu aujourd'hui. Je vais essayer de vous en trouver. Je vous adore. Hey, vous avez un instant ? Je voulais vous remercier de nous avoir aidés à Concorde. Si seulement on avait pu vous rencontrer plus tôt. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? En bref, on bouge sans arrêt depuis l'attaque de Quincy. On était plus nombreux avant. Mon fils, il... Il est mort. Votre fils... Comment est-ce qu'il s'appelait ? Kyle. Mon fils s'appelait... Kyle. C'est... terrible. Aucun parent ne devrait vivre la mort de son enfant. Non. Jamais. Je n'arrête pas de me dire que j'aurais pu en faire plus pour lui. Enfin, merci encore. C'est quand on se croit en sécurité qu'on est le plus vulnérable. Et c'est à ce moment-là qu'ils attaquent.